Depuis un an, ces 26 élèves de CM2 font partie de la première classe orchestre d'une école de Monton. C'est un instrument plutôt grave et puis c'est assez dur, surtout à faire les notes avec l'embouchure parce qu'il faut bien serrer les lèvres. C'est des notes aiguës et on peut faire beaucoup de choses avec cet instrument. J'aime bien jouer avec. L'idée, c'est de venir devant des enfants qui n'ont jamais eu probablement accès à la musique classique, et de venir avec un instrument. Un apprentissage qui demande beaucoup de concentration et de travail collectif. La progression est spectaculaire. En quelques mois et en quelques notes, ils sont désormais capables de jouer ensemble plusieurs morceaux. Par son, ça suffit. Et ils s'habituent à jouer ensemble. Et là, on sent qu'il y a une cohésion qui vient au niveau de la classe. Chacun fait un effort pour l'autre et c'est aussi chacun encourage l'autre. Réellement, quand on a quelqu'un qui n'y arrive pas, le copain d'à côté lui dit « Allez, vas-y, tu vas y arriver ». Il existe dans le département une dizaine de classes orchestres. La première à Monton a été créée à l'école Saint-Exupéry. L'objectif est d'en créer chaque année une nouvelle dans un établissement montonnais. C'est un partenariat entre les écoles ou les conservatoires de musique, les communes et l'éducation nationale. Et en fait, à chaque fois qu'il est possible, pour des raisons techniques, de développer ce projet, on y va. Comme désormais les notes sont maîtrisées, l'orchestre des Petits Citrons se produira en concert à la fin de l'année.